Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathIdées. Donc aujourd'hui, je me propose de répondre à la question suivante. Essayez de répondre à l'existence d'un nombre qui s'appelle racine carrée de 2. Donc c'est un nombre que vous connaissez sans doute déjà. La question qu'on se pose, est-ce que c'est un nombre qui existe réellement ou c'est juste une invention des mathématiciens? Donc on va voir tout cela. Donc pour le programme, je vous propose d'abord de définir ce qu'est racine carrée de 2. Et puis, par la suite, on passe à l'existence, c'est-à-dire on va essayer de démontrer l'existence de ce nombre. On a deux choix. Soit on fait une preuve directe. Ce que j'appelle preuve directe, c'est une preuve qui consiste à désigner l'objet qu'on cherche. Ici, on cherche racine carrée de 2. Donc du coup, on a le choix soit de désigner un objet dans la réalité de tous les jours qui va correspondre à racine carrée de 2 ou de faire une preuve indirecte. Donc la preuve indirecte, c'est une suite de raisonnements logiques qui va aboutir à l'existence de racine carrée de 2 sans pour autant qu'on la montre du doigt ou qu'on le voit. Voilà, donc moi je vais choisir la preuve directe. Très bien. Donc, on va commencer par la définition de racine carrée de 2. Donc, les mathématiciens définissent la racine carrée de 2 comme étant le nombre positif qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donne 2. Voilà, donc c'est une définition toute simple. C'est un nombre compté par lui-même et qui donne 2. Et ce nombre, on l'appelle racine carrée de 2. Très bien. Donc définir une chose ne veut pas dire que cette chose-là existe. Donc nous, ce que nous allons chercher, c'est un nombre, okay, qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, on doit obtenir 2. On ne va pas se contenter à dire que c'est racine carrée de 2. OK? Parce que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 égale à 2, parce que c'est exactement la définition. On ne veut pas s'arrêter à la définition, on veut prouver l'existence dans le sens suivant. C'est-à-dire ici, si je reprends les entiers naturels, je vais prendre 1, 2, 3. Que les Arabes notent bien 1, comme ça, 2 ou 3. Donc derrière ces notations-là, donc qui ne sont pas les mêmes, on désigne les mêmes réalités. Donc quand je parle d'un stylo, que ça soit une notation française ou une notation arabe, la réalité est la même. C'est un stylo. Quand je dis deux vaches ou deux vaches comme ça avec la lettre arabe derrière, je désigne une réalité. Quand je dis trois ou trois comme ça ou trois en chiffre romain, c'est exactement la même chose. Je désigne une réalité qui est derrière. La question qu'on se pose, est-ce que c'est le cas de racine carrée de deux ou pas? Est-ce que derrière ce symbole on a une réalité de la vie quotidienne, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, qu'on peut attraper et désigner du doigt ou pas. Pour cela, je vais passer à l'existence. Donc, je vais considérer un carré. OK? Donc, le carré-là, ça, c'est un objet de tous les jours. C'est un objet qu'on peut rencontrer. Ça peut être une carte, ça peut être une porte. Ça peut être un cahier, ça peut être un tableau, tout ce que vous voulez. Donc, dans ce carré, je vais m'intéresser à la diagonale de ce carré. Très bien, la diagonale. Donc, c'est ce segment qui part d'un côté vers un autre côté opposé. Et donc, qui sépare le carré en deux triangles. Justement, c'est l'un des triangles qui va m'intéresser. Donc, ici, je m'intéresse à ce triangle-là, qui est bien rectangle. Donc, le carré, j'ai oublié de le dire. Je l'ai choisi de telle sorte que son côté est égal à 1. Donc on va dire que c'est l'unité. Très bien. Je m'intéresse à l'hypoténuse. Cette hypoténuse, donc, qui est la diagonale ici, je vais la nommer H. On a le choix. On pouvait nommer la diagonale par D, par X, pour faire référence à un inconnu, par L ou par tout ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de le nommer dans ce contexte par la lettre H. Très bien. Une fois faite, on va essayer de calculer cette diagonale, c'est-à-dire la mesure de la diagonale. Très bien. Donc ici, vous voyez venir le théorème de Pythagore qui dit que
le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et le carré d'un nombre, c'est le nombre qu'on multiplie par lui-même. Donc ici, j'ai h au carré, donc h fois h, qui est égal à 1 au carré, OK, plus 1 au carré. Très bien. Donc h fois h est égal à 1 au carré, c'est 1, et 1 plus 1, ça me fait bien 2. Me voilà avec un nombre qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donc ce nombre, lorsqu'il est multiplié par lui-même, on obtient 2. Ce nombre, vu que la racine carrée de 2 est un nombre, est le nombre positif qu'on cherche, donc il est unique. Moi, j'ai trouvé un nombre, ici, la mesure de la diagonale, qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donne 2. Ce nombre, donc, n'est rien d'autre que racine carrée de 2. Donc, je peux bien écrire que h est égal à racine carrée de 2. Le nombre qu'on a trouvé satisfait à la définition. C'est un nombre qui est positif. C'est un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, on tombe sur 2. Mais je ne suis pas plus avancé qu'au début. Parce que souvenez-vous, ça, c'est un symbole. OK? Le h aussi est un symbole. Et la racine carrée de 2. Et ce symbole-là, et ce symbole, ne vaut pas plus que ma notation ou la notation d'un autre qui pouvait noter D, X ou L ou autre chose. OK? À la seule différence que, ici, cette notation, c'est celle des mathématiciens. Donc, on est obligé de suivre la notation des mathématiciens pour des raisons de conformisme. Mais peut-être qu'il y a d'autres civilisations ou d'autres langues qui notent racine carrée de 2 autrement. Maintenant, pourquoi je dis je ne suis pas plus avancé qu'au début? C'est vrai qu'on a déjà montré l'existence de racine carrée de 2, mais on n'a pas de renseignements sur ce que peut être cette racine carrée de 2. Est-ce qu'elle est plus grande que 1? Est-ce qu'elle est plus petite que 1? Est-ce qu'elle est plus grande que 2 ou plus petite que 2? OK? Donc, j'ai fait une petite enquête. Donc, voilà, j'ai mené la petite enquête. J'ai essayé de calculer racine carrée de 2 en mettant chez Google SQRT de 2. Donc, SQRT de 2, c'est la racine carrée de 2. OK? Donc, la calculatrice de Google me dit que c'est 1,414, 213, 562, 37. Donc, c'est 1,414, 213, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc, j'ai été curieux et j'ai regardé au niveau de ma calculatrice. Ce que j'ai trouvé, c'est un nombre de chiffres après la virgule beaucoup plus important que ce que me propose Google. Google s'arrête là et ma calculatrice rajoute 30,95. Très bien. Donc, du coup, j'ai des doutes. Est-ce que le nombre de chiffres après la virgule est fini ou infini? C'est-à-dire, est-ce que ça s'arrête quelque part ou pas? J'ai été voir ce que donne le calcul de la NASA. Et la NASA nous dit ici, donc là, vous reconnaissez bien, 1,414, 213, 563, 37 de ce que m'avait proposé Google, 30,95 que j'avais trouvé avec ma calculatrice, etc., etc., etc. Donc, la NASA, eux, calcule plus 1 million de chiffres après la virgule, donc qui concerne le nombre racine carrée de 2. Donc c'est un nombre qui est assez mystérieux et je dois vous avouer que le nombre de chiffres après la virgule en ce qui concerne racine carrée de 2 ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc vous avez une idée de ce que ça peut être, donc c'est 1,400 et quelques, donc 1 pour moins de 1,5, par contre jamais égal à 1,5, même si c'est une suite d'addition de nombres strictement positifs qui ne va jamais atteindre 1,5. Très bien. Donc, des nombres comme ça, normalement, vous en connaissez. C'est des nombres qu'on écrit avec des virgules et des chiffres après la virgule qui ne s'arrêtent jamais. C'est l'exemple de 1 tiers. 1 tiers, ça correspond bien à une réalité. Par exemple, vous prenez une baguette de pain, vous divisez en 3 parties. Une des parties, c'est 1 tiers. Et 1 tiers, la notation fractionnaire cache en réalité une impossibilité de l'écrire juste en utilisant les chiffres de 0 à 9 et avec une notation à virgule. Donc, puisqu'il est impossible d'écrire un tiers juste en utilisant une virgule et les chiffres de 0 à 9, on invente une nouvelle notation, c'est-à-dire 1 divisé par 3. Très bien, c'est exactement la même raison qui a poussé les mathématiciens à inventer une nouvelle notation quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas écrire racine carrée de 2 sous la forme d'une fraction. Cependant, il existe une grosse différence entre 1 tiers et racine carrée de 2. Je m'explique. Quand vous prenez 1 tiers,
Un tiers, c'est 1 qu'on divise par 3. Et là, vous voyez, c'est 0,33, 33, 33, 33. Donc, c'est le 33 ou le 3 qui est le même motif qui va se répéter jusqu'à l'infini. Okay? Et là, on fait une différence entre les nombres qui ont les nombres à virgule qui ont un nombre de chiffres après la virgule qui est infini et qui présentent des motifs qui peuvent se répéter jusqu'à l'infini et des nombres à virgule qui ont un nombre de chiffres après la virgule qui est infini avec impossibilité de trouver un motif qui peut se répéter jusqu'à l'infini. OK? Prenons un autre exemple. Quand je fais 22 divisé par 7, je trouve 3, 142, 857, 142, 857 et 142, 857, etc. Ici, c'est la calculatrice qui a fait une approximation, mais normalement, c'est 142, 857 qui ne s'arrête jamais, mais avec un motif qui se répète quand même. Donc, jusqu'à l'infini, on a une répétition des chiffres jusqu'à l'infini avec un motif qui se répète. Par contre, quand on prend racine carrée de 2, on l'avait dit tantôt, quand on calcule racine carrée de 2, ce sont des chiffres qui se succèdent avec une impossibilité de trouver un motif qui se répète jusqu'à l'infini. D'où la classification suivante. Donc la classification nous dit quoi? On a les entiers, on a tous les nombres réels dans un sac. Et parmi les nombres réels, il y en a un qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction. Donc A sur B, avec B qui est différent de 0. Ces nombres, on les appelle des nombres rationnels. Très bien. Il y en a qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction, parmi lesquels on a racine carrée de 2 et d'autres nombres. Et ces nombres-là, on les appelle des nombres irrationnels. Irrationnels, pourquoi? Parce qu'ils peuvent heurter la sensibilité de certains, parce que justement, on ne peut pas les noter sous la forme d'une fraction. D'ailleurs, il existe une preuve magnifique qui montre que racine carrée de 2 ne peut pas être écrite sous la forme d'une fraction. Donc cette preuve fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Avant de vous quitter, ça c'est juste que au sein des nombres irrationnels, on a deux autres classifications. On a les nombres algébriques et les nombres transcendants. Donc les nombres algébriques, ce sont des nombres qui sont solutions d'un polynôme à coefficient entier, alors que les nombres transcendants ne sont solutions d'aucun polynôme à coefficient entier. Exemple, racine carrée de 2 est un nombre justement algébrique. Et un nombre transcendant, on connaît par exemple pi, qui est un nombre transcendant. Pi n'est pas solution d'aucun polynôme à coefficient entier. Donc on s'arrête là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Merci. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous.